Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous vous portez bien. Ce tirage est dédié à Harry Boulogne, sujet sensible puisque ce monsieur nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Il a eu une vie très compliquée avec un gros rejet de la part de son potentiel père biologique Alain Delon. Celui-ci a toujours réfuté, mais Harry a été élevé, quant à lui, par la maman et le papa d'Alain Delon. Et il avait même été adopté par ceux-ci et pouvait alors être également le demi-frère d'Alain Delon. Voilà ce tirage qui commence. Je ne vais pas être très longue, je pense, à ce sujet. Par respect pour la famille et par respect également pour les personnes qui seraient trop sensibles lorsque j'aborde des personnalités publiques, d'autant plus lorsque celles-ci les touchent, semble-t-il. Donc je vais essayer d'être plutôt brève, mais efficace. Donc la première carte, eh bien ici c'est le danger. J'ai orienté mon tirage sur le dernier jour de sa vie, puisque nous savons qu'il est décédé seul dans son appartement. Alors, son état d'esprit, et puis le dernier jour. Donc, le danger, ici, c'est la pauvreté. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a jamais bénéficié financièrement de soutien quelconque de son père, enfin, de son géniteur potentiel, et du coup, qui, parfois, a pu manquer d'argent, il l'a dit dans certaines interviews. Alors ce jour-là, il est décédé effectivement chez lui et on me montre une serrure. Alors pour moi ici, les émotions sont un petit peu lourdes, je ne sais pas si ça peut s'entendre. J'espère que non, c'est pas de la tristesse, c'est vraiment... c'est un peu lourd. Donc pour moi, on nous dit vraiment qu'il est décédé sans en avoir le choix chez lui. Alors, sans en avoir le choix, je ne sais pas comment je peux le dire sur YouTube, à vrai dire, pour moi, on l'a abandonné. On a fermé la porte et ça s'est terminé. Éliminé, et on a les ciseaux qui viennent couper des liens. Ici, il semblerait que quelque chose autour de lui, avant son décès, ait été supprimé, ait été coupé. Alors, est-ce qu'il s'est séparé de la mère de son enfant? Nous allons voir, puisque là, nous sommes entourés de la carte de chez lui. La fascination, et on peut considérer l'évolution, les chakras, les corps énergétiques. Ouais. Est-ce qu'il cherchait vraiment, est-ce que c'est une personne par exemple qui aurait pu consommer des stupéfiants pour arriver à être heureux? On peut me parler d'une certaine évasion ici dans la fascination telle qu'elle est représentée. On pourrait nous dire qu'il a essayé de se débarrasser de ses addictions. Mais il n'y est pas arrivé. Hein. Auto-saboteur. Ouais. Il avait abandonné, en fait, hein, semble-t-il. Vraiment, là, il avait mis en pause et ses projets et, je pense, ses bonnes résolutions. D'où le fait qu'on parle d'auto-sabotage. La culpabilité avec la rigidité. L'armée. L'uniforme. La répression. Alors, est-ce qu'il était en cours de procès? Ça, je ne le sais pas. Pour moi, on nous parle d'auto-sabotage ici sur les cartes précédentes et on nous parle de culpabilité. Pour moi, on me désigne plus ce qu'il pouvait ressentir envers certaines personnes. Ben, j'ai la rigidité qui suit, hein. Donc oui. Il est... Alors, on peut me parler vraiment d'une fascination pour un milieu, une personne qui ne lui rendait rien du tout. On me dit qu'à cause de ça, il s'est mis complètement en attente. Il a espéré toute sa vie et malheureusement, face à quelqu'un d'aussi autoritaire, il n'a rien obtenu. Ça n'a pas changé quoi que ce soit. D'ailleurs, au-delà de la culpabilité et de l'ordre, on a de la rigidité et des
tempête, des orages. Donc il y a eu de grosses disputes, il y a eu des vraies mésententes entre les protagonistes. Il a eu envie de lâcher, hein. Il a eu envie de se sentir mieux, il a eu envie d'abandonner tout ce qu'il avait entrepris et d'apprendre, de partir, d'apprendre de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles choses. Il paraissait très très libre d'esprit, mais en réalité, il s'est auto-saboté, il a complètement loupé. Oh là là. Alors de nouveau l'homme. Je dis de nouveau parce que j'ai enchaîné deux tirages. Donc là, voilà. Donc je pense que c'est un homme qui devait tout le temps prouver en fait ce qu'il était. Tout le temps prouver sa virilité, tout le temps prouver ses aptitudes. Autour de lui, toutes ces espèces de preuves d'amour qu'il a toujours espérées lui ont apporté vraiment beaucoup de déceptions. Il a voulu couper les liens, il en avait assez. Il a voulu mettre un terme et je pense qu'il a à un moment, en tout cas, abandonné l'idée de se rapprocher de cette famille qui le rejetait, semble-t-il. Malgré tout, on nous parle du moment où il y a eu des hésitations, il a eu envie d'arriver à un climat apaisé, à une situation sereine, à quelque chose de plus lumineux. Ça lui tenait à cœur, mais c'était pas possible en fait. Il était vraiment beaucoup trop tard. On peut nous parler aussi avec l'étranger de la culture de sa maman, qui elle aussi a eu une vie un peu complexe, puisque c'était une star et qu'elle consommait elle-même des stupéfiants, et qu'il en a consommé même avec elle. D'après ses propres témoignages sur des plateaux, notamment que vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est un reportage de Lina dans lequel on voit Harry Boulogne qui est invité par Thierry Ardisson. Ça dure pas très longtemps et c'est un peu intéressant. Donc pour moi, vraiment, il y a eu vraiment tout ce qui l'entourait et tout ce qu'il était. Il y a eu une dissonance entre les deux. C'est quelqu'un qui semblait ne plus supporter en fait la douleur, le monde tel qu'il lui était présenté. Je vais compléter ce tirage avec plus de renseignements. Alors je vais prendre l'oracle de la voix des âmes, parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui doit être évacué ici. Alors ici ou ailleurs, hein, je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait des tirages à son sujet. Et j'en ai pas du tout la moindre prétention, vous commencez à me connaître, mais je pense vraiment qu'il y a encore des choses très lourdes en lui. Je sens une particulière difficulté à respirer en fait. C'est plutôt ça, c'est pas que je me sens triste dans ma voix, mais j'ai vraiment du mal à reprendre mon souffle. Donc je reviens après une petite pause, je vais prendre les autres cartes et je vous présente tout ça immédiatement. J'ai effectué ce deuxième tirage que nous allons découvrir ensemble, dans lequel j'ai demandé ce qui s'était passé le dernier jour de sa vie chez lui. D'accord, donc là j'ai éliminé avec des écrits. Donc peut-être qu'il a voulu se donner la mort. Il est possible qu'il ait laissé un courrier, je ne sais pas du tout. En tout cas, il est possible aussi qu'il ait voulu mettre fin à quelque chose par écrit. Donc peut-être qu'il avait une procédure de divorce en cours, quelque chose comme ça. Il a laissé des écrits en tout cas au sujet de quelque chose. Il y a eu de la honte et on voit avec cette symbolique de la pelle qu'il a caché, il cachait ce jour-là un sentiment de honte. Victime des choses cachées de nouveau. Alors c'est quelqu'un qui partageait beaucoup avec sa maman du temps où elle était en vie et je pense qu'il l'a beaucoup idéalisée à défaut d'avoir un père. Cette dame était très malade également, elle était dans la toxicomanie et ils se sont, comme je disais, même drogués ensemble. Il y a eu vraiment du partage avec cette femme dans le bon et dans le moins bon. Intimidé. Alors ce jour-là, peut-être qu'il a senti que c'était sa dernière heure qui arrivait. On me montre un planning, on montre une notion de temps. Ferme avec une personne effrayée. Oui, pour moi, il savait, hein. Il a senti. Le père, tiens donc. Le père, donc c'est soit tout à l'heure la carte de l'armée, soit là le stop du policier, hein. Il y a vraiment un problème avec lui, même ce dernier jour de vie, je pense que c'est à lui qu'il a pensé. Il ressort sans arrêt. La nudité et le procès. Ah. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que Harry ait demandé un test ADN, ou en tout cas, je ne pense pas. Je crois que son père l'a fait, il me semble. Enfin, que son géniteur l'a fait. En tout cas,
Moi, je pense que si on cherche, on trouvera. Il se peut quand même qu'ici, on nous parle d'une vérité qui soit faite devant la justice à son sujet. C'est bizarre vu qu'il est décédé. Danger. Oh là, le diable. Attirant. Et le voleur. Ah. Chez lui, de nouveau. Alors là, est-ce qu'il serait sorti de chez lui? On peut voir aussi l'image du tunnel de lumière, hein, ici. Humilié. L'habitude avec le joli paysage. Ok, bon, pour moi, ici, on nous dit que le dernier jour de sa vie, hein, pour Harry Boulogne, je le répète, les choses étaient très compliquées. C'est une personne qui n'allait vraiment pas bien moralement. Je ne sais pas s'il était sous produit ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait vraiment honte de son parcours, honte de sa vie, honte de ses comportements. Il a vraiment eu quelque chose dont il a eu besoin de se cacher. J'ai la sensation aussi que c'est une personne qui aurait pu vivre des agressions dans son enfance. J'ai un fort ressenti de traumatisme de l'enfant. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a su prendre sur lui, mais à tel point qu'il s'en est tué. On voit que les personnes desquelles il se sentait le plus proche sont parties les unes après les autres. Et pour moi, il y a vraiment eu des menaces qui ont pesé sur lui. Il savait qu'il dérangeait. On lui a crié après, on lui a parlé de manière ferme, on s'est montré dur avec lui. Et je pense que ce jour-là, eh bien, soit il a eu une dispute avec son père, celui qu'il considérait comme son père, pardon, à savoir Alain Delon, soit il est possible que ça soit dans son intimité, mais je sens que ce dernier jour-là n'a pas été un jour du tout dans la sérénité. Je ne crois pas que c'est ce que son épouse ou sa copine, sa concubine a dit. Il me semble qu'elle a dit qu'elle n'était pas là, qu'ils étaient partis en congé. Je n'ai pas du tout cette sensation personnellement. Pour moi, il y a eu vraiment quelque chose qui. Il s'est senti abandonné, il s'est senti enfermé, il s'est senti isolé. Donc, ce n'était pas forcément d'un commun accord. Il s'est mis en danger, hein. Le diable aussi peut représenter les substances comme les médicaments, les drogues, l'alcool, tout ce qui fait perdre la raison en fait. Donc là, il le savait très bien, hein. Il savait très bien ce qu'il risquait s'il replongeait dans les produits. Ça le mettait vraiment dans une situation compliquée, hein. Parce que pour lui, tout ce qui était sombre l'attirait. Je pense qu'il avait une fascination aussi pour cette autodestruction quelque part. Et pour moi, vraiment, il a eu un souci toute sa vie d'identité. Et ici, on nous confirme, puisqu'il a la carte de chez lui, la carte de l'humiliation. Pour moi, il y a vraiment un enfermement, quelque chose qui a fait qu'il s'est senti plus en sécurité dans son appartement que dans le monde réel de dehors. Et je sens vraiment que ce rejet a pesé toute sa vie sur ses épaules. Il y a vraiment une chose énorme, parce que sur l'humiliation, il y a ce côté caché de la forêt, mais vous voyez, il y a beaucoup d'arbres. Et pour moi, on est vraiment sur plusieurs personnes qui ne l'ont pas, semble-t-il, à son goût en tout cas, qui ne lui ont pas fait assez de place. J'ai envie de dire, cette carte qui représente l'habitude avec ce paysage serein, où on pourrait toujours évoquer la carte LGBTQ+, mais pas là. Pour moi, on est vraiment plus sur quelque chose de l'ordre de la prise de produit avec un monde idéalisé. Et des couleurs un petit peu plus lumineuses, plus agréables. Je vais laisser le jeu de haut pour le moment et je vais prendre un autre jeu sur lequel vous commencez à bien me connaître aussi. C'est le jeu de Joséphine. Je vais poser une ou deux questions qui pourront, je l'espère, nous apprendre encore un peu plus sur les causes de ce décès finalement et voir un peu dans quel état d'esprit il pourrait se trouver. Avec l'oracle des âmes. J'ai beaucoup plus de cartes que prévu qui se sont échappées pour l'oracle de la voix des âmes. Je les ai toutes regardées et j'ai décidé de toutes les laisser pour que vous puissiez les voir vous également. Donc j'ai la carte de l'éducation,
les enfants, l'apprentissage, le bonheur, les reproches et les regrets. Donc pour ce qui est de l'interprétation, je ne vais pas faire pour toutes les cartes, je ne vais pas tout vous lire. Rassurez-vous, ça serait peut-être un peu long pour tout le monde. Mais ici, je vais essayer de vous apporter les messages les plus importants que ces cartes veulent peut-être révéler. Donc ici, avec la carte de l'éducation, il nous dit qu'il a été conditionné en fait lors de son enfance et il trouvait que tout ça était normal. Il a reproduit un peu ce qu'il a appris, notamment avec sa mère. Ici, il nous dit qu'il pensait que les règles qui étaient mises en place étaient les meilleures. Et il pensait qu'obéir ferait de lui quelqu'un qui serait beaucoup plus aimé. Il a eu du mal à créer son propre cadre de référence, il a eu du mal à s'accorder de la bienveillance, à s'aimer suffisamment, et il en appelle ici à savoir s'apporter de la douceur. Avec la carte des enfants, on nous dit qu'il avait gardé cette âme très spontanée, très sincère d'un enfant. D'ailleurs, il me semble, je ne sais pas ce que vous en penserez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que son regard, bien que parfois totalement azimuté par la prise de produits, dégageait une certaine juvénilité, oh, jeunesse, on va dire. Donc là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui respirait jusqu'à un certain moment où il s'était vraiment dégradé, mais qui avait ce côté enfantin dans les yeux. Il nous dit qu'il n'a pas su profiter des expériences réelles qu'il a vécues et qu'il n'a pas fait force face aux événements qu'il a pu subir car il était beaucoup trop sensible. Il nous dit qu'il n'était pas un enfant heureux, mais qu'il a choisi cette expérience et que c'est maintenant qu'il se rend compte que son but était d'être dans une énergie de résilience et qu'il a eu vraiment du mal à la prendre sur Terre. Il nous dit également qu'il a conscience que l'enfance de son propre père a été très compliquée et il ne lui en veut pas. Aujourd'hui, il voudrait que les choses s'apaisent et il aimerait pouvoir le prendre dans ses bras afin de ne plus rester sur ses énergies de colère. Au niveau de l'apprentissage, il nous dit que la vie qu'il a vécue lui a appris énormément de choses, que souvent il trouvait que la situation était très difficile pour lui et qu'il galérait beaucoup. Il se rappelle avoir beaucoup eu l'impression que le destin était contre lui, mais il a compris aujourd'hui qu'il en a tiré les vraies expériences, des choses qui étaient importantes pour lui à travailler dans son incarnation. Il nous a expliqué à travers ce tirage que son âme avait choisi ce destin. Il ressentait beaucoup de fatigue à l'époque et il avait vraiment besoin de la béquille, des stupéfiants pour oublier sa douleur. Aujourd'hui, il se rend compte que c'était cette dualité intérieure qui créait ceci et qu'il ne le regrette pas, qu'il assume les choix qu'il a faits, bien qu'il ne recommencerait certainement pas à faire les mêmes s'il avait une autre chance aujourd'hui. La carte du bonheur. Alors, la carte du bonheur, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? Il nous dit que parfois son environnement paraissait très compliqué. Il dit que les choses n'ont pas été simples pour lui, mais qu'il a été heureux, qu'il avait toujours cette flamme d'enfant, décidément, qui lui permettait de vivre les choses d'une façon très intense. Il a fait preuve de maladresse, mais il a toujours réussi à trouver des moments de bonheur, même quand tout lui semblait désespéré. Il essaye d'envoyer ce même bonheur à ses enfants, notamment. Et il les incite à être fiers d'eux. Il leur dit qu'il a eu le temps de réaliser beaucoup de choses, et notamment par rapport à sa famille. Il est fier de ça. Il dit que, en fait, les souvenirs, les paroles à son sujet lui font beaucoup de bien. Et il a dit également, j'ai pu moi-même voguer sur des galères, mais pour toi, la mer est paisible. Donc je pense ici qu'il s'adresse vraiment à ses proches en nous disant que pour lui, si les choses ont été compliquées, ce n'était pas pour rien. Et qu'il en a appris beaucoup, même si le dernier jour de sa vie, il a pu être seul, il savait qu'il ne l'était pas au fond de lui. Avec les reproches, on nous dit que les 3 semaines qui arrivent vont être importantes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va y avoir autour de la famille d'Harry, visiblement, beaucoup de signes et de synchronicité. Il a envie de dire ici qu'il ressent les reproches autour de lui et qu'il les comprend et que lui aussi en avait beaucoup.
Il nous dit que ce soit vis-à-vis de lui-même, mais aussi des autres, il était très souvent dans les reproches et qu'il pouvait avoir des difficultés à se remettre en question et à demander toujours beaucoup d'exigences pour les autres. Il dit que ce qu'il demandait aux autres, ne se l'appliquait pas forcément à lui-même et que cela n'était pas très honnête de sa part, qu'il s'en rend compte aujourd'hui. Il se rend compte de son injustice envers ses proches. Et des reproches intérieurs et extérieurs, il a tiré un très grand enseignement aujourd'hui. Il dit, ce que je pensais inacceptable était simplement ma partie d'ombre, et quand je la regarde maintenant, je n'en ai plus peur. Je l'accueille, je l'accepte et je l'aime. Pardon si cela a pu t'impacter de façon directe ou indirecte. Pardonne-toi aussi, tu es parfaite. C'est un beau message. Et enfin, nous avons quand même une carte qui indique les regrets. Alors, pourquoi? Alors, une partie de lui est dans une énergie de dualité. Comme je vous le disais, ça ne me surprend pas. Il y a des tensions intérieures qui l'empêchent d'être sereine. Il nous dit qu'il y a eu des doutes en permanence et pour tout dans sa vie, y compris déjà sur son identité en tant que personne, et que cela a créé une grande zone d'inconfort autour de lui. On nous dit qu'il a eu beaucoup de regrets, même si aujourd'hui il s'en sent libéré, et qu'il y a beaucoup de choses qu'il s'est refusées pour diverses raisons, notamment la peur de faire le mauvais choix. Il s'était enfermé dans des idées préconçues, dans des certitudes pour ne pas avoir à choisir. Et malheureusement, il le regrette un petit peu. Il dit encore une fois à ses proches qu'il faut oser être ce qu'ils sont. Et qu'il aurait pensé avoir le temps de faire les choses avant son départ, ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il aimerait que quelqu'un fasse quelque chose pour lui, une action qu'il aurait voulu faire, et il envoie des signes à quelqu'un qu'il les comprend au fond de lui. Il lui demande de l'aider à accomplir cette chose. Il dit que cela va lui permettre d'être dans une libération totale. À bon entendeur. Voilà pour ces cartes-ci. Et donc j'ai effectué un petit tirage complémentaire, comme je vous l'avais dit, avec les cartes. Donc je vais vous présenter quand même la boîte, ça fait longtemps. Les cartes à jouer divinatoires de Joséphine dans les éditions Grimaud. Alors j'ai tout de suite ici le roi de carreau qui est apparu, ce roi de carreau qui représente un homme ambitieux. Donc il est associé avec une dame, la dame de trèfle. Cet homme ambitieux, qu'est-ce qu'on peut nous dire quand il est associé avec cette dame de trèfle renversée? On nous parle d'une relation qui est plutôt instable. On nous dit ici qu'il y avait dans ce couple autour d'Harry Boulogne des disputes fréquentes et une dame ici qui savait se montrer quand même relativement ferme vis-à-vis de lui. Après, je n'ai aucun jugement, bien entendu, à émettre là-dessus. On parle d'une personne qui était très très malade et qui était sûrement parfois difficile à canaliser. Nous avons l'as de carreau qui apparaît ici avec le 10 de trèfle retourné. Cet as de carreau combiné, pardon, avec le 10 nous parle plutôt de documents, de lettres. Donc on peut nous parler d'héritage ici. Cet héritage, on nous apprend qu'il y aura effectivement un petit gain financier. Alors, je ne pense pas que ce soit forcément dans l'argent. J'ai pas l'impression qu'on parle d'argent. Est-ce qu'il était peut-être propriétaire d'un appartement ou, c'est plutôt dans ce style-là. On parle plutôt d'immobilier. En tout cas, il y a un petit gain autour de lui et de son décès dans les mois à venir. Nous avons ensuite ce valet de pique qui est recouvert par le 8 de pique également. Cette carte qui est vraiment toujours de mauvais présage puisqu'elle nous parle bien souvent de maladie. Et ici, associé à ce valet qui représente souvent une personne rusée. Pour moi, il est clair qu'on nous parle d'addiction, on nous parle de produits stupéfiants. Quand on parle de ruse, il faut savoir que l'usage de cocaïne notamment, mais certainement d'autres produits tels que l'héroïne, mais spécifiquement la farine, rend complètement mythomane. On fait tout et n'importe quoi pour s'en procurer et on devient rusé et menteur. Pour moi, ici, c'est une maladie chronique dont on parle qui était très grave et qui n'a pas pu être soignée. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Encore une fois, avec tous mes respects pour la famille, bien entendu.
Donc on a l'as de trèfle qui suit, qui nous parle d'habitude de prospérité lorsqu'il arrive renversé, et de prospérité ici qui est un petit gain avec le 8 qui l'accompagne, qui représente également un gain. Donc comme je vous le disais, on va avoir un cadeau de valeur qui peut arriver, un héritage, des souvenirs qui auraient pu être placés dans des coffres, quelque chose qui va être légué de sa part en tout cas. Et avec le 9 de trèfle, on nous parle d'une certaine amélioration avec un homme autoritaire. Donc il se pourrait peut-être qu'Alain Delon revienne sur sa position et rende un quelconque hommage à son fils, ou qu'il ait pu renouer avec lui un petit peu avant son décès, très peu de temps. On parle en tout cas ici d'une relation, en tout cas d'une amélioration qui l'a libéré un peu de ses préoccupations. Mais c'était avec un homme qui, malheureusement, était sans tact. C'est quelqu'un qui n'a jamais accepté de prendre ses responsabilités. Donc il y avait un tout petit peu de dialogue, mais très peu de sincérité. J'ai ma porte-fenêtre qui s'ouvre. Excusez-moi. J'ai le 9 de pique, enfin, qui arrive et qui n'est pas de très bon augure. Puisqu'on nous parle avec ce 9 de malhonnêteté. Et avec le cœur, on nous parle d'infidélité, de cambriolage, de malhonnêteté amicale, de gens qui profitent et qui abusent de la confiance. Donc ici, ce roi peut être interprété comme une bonne personne qui aurait trahi Harry et qui notamment aurait pu lui apporter plus de soutien au niveau des épreuves. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur Harry Boulogne, sans trop rentrer dans des choses vraiment intimes sur sa relation avec Alain Delon. Je vous remercie de m'avoir suggéré ce sujet. J'espère que cela vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.